passer des vacances en Égypte chez mon oncle Ben et ma cousine Sari. Mon oncle est archéologue. C'est quelqu'un de super, il est incollable sur les civilisations anciennes. Ma cousine croit qu'elle sait beaucoup de choses, mais je l'aime bien quand même. On est sur le site de fouilles secrètes où mon oncle vient de découvrir une pyramide qui est la tombe d'un prince égyptien. Une pyramide, c'est comme un labyrinthe sombre, avec plein de passages secrets et des cul-de-sac. Ça donne un peu la chair de poule, mais ça va, je n'ai pas peur. Je me suis préparé mentalement à être l'un des premiers à y entrer. La tombe du prince Ororo, ou du moins je l'espère. Si ça l'est, tu seras bientôt célèbre, papa. Il y a donc une vraie momie là-dedans? Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont construit les tombes. Qu'est-ce que c'est? Ouais, rends-moi ça. C'est mon invocateur, je l'ai acheté à l'aéroport. Un invocateur? C'est l'idéal si tu veux entrer en contact avec les morts. Il paraît même que c'est une vraie main de momie, tu sais. J'espère que tu l'as pas payé trop cher. Tu t'es fait arnaquer avec un attrape-touriste. Hé hey! Oh, elle est toute chaude. Et c'est parce qu'elle communique avec les défunts. C'est parce que tu l'as gardée un grand moment dans ta poche. Tu pourras essayer ton invocateur sur le prince, mais premièrement, il faut le trouver. Attends, juste une minute, j'aimerais prendre une photo de vous. Ouais, d'accord. Mettez-vous un peu plus à gauche, je voudrais prendre aussi les dessins. Ça s'appelle des hiéroglyphes. Oui, eh bien, je les veux sur ma photo, voilà tout. C'est très simple, tu n'as qu'à appuyer sur le petit bouton et la photo est prise. Même toi, tu peux y arriver. Mais je sais très bien m'en servir. Non, j'aurais pas cru, excuse-moi. Allez, fais-moi un beau sourire. Voilà, c'est mieux. Très bien, et maintenant on y va. C'est étrange. Gabe, il faut toujours rester ensemble. Ouais. Sari, viens voir. Tu sais ce que ça veut dire, ça? En gros, ça parle du voyage que l'âme fait après la mort. Est-ce que tu ne sens pas la présence de la mort autour de nous? Ouais, si. Ah, ça fiche la frousse. Je crois que si je me retrouvais seul ici, j'emmènerais pas large. Et toi, Sari? Sari? Sari! Eh oh! Eh franchement, c'est pas drôle! Oncle Ben! Mais où êtes-vous passé? Sari! Oncle Ben! Oncle Ben! Répondez-moi! Oncle Ben!
au sable. Attrape-la, Gabe, je vais te remonter. C'est bien. C'est fantastique, mon garçon. Cette tête de lion est le sceau secret du prince Oro. Et c'est toi qui l'as découvert. Tu viens de trouver l'entrée de la tombe. Il est tombé dessus par hasard, ça ne compte pas. Bien sûr que si, ça compte. Et grâce à lui, on entrera dans la tombe demain. Et qu'est-ce qu'on fait pour le... Pour le serpent. Sers-toi de ton invocateur, il les fera fuir. Si on t'envoie la première, ça suffira pour les faire fuir. T'arriverais même pas à réveiller le prince. Ah, arrêtez tous les deux, j'enverrai une équipe qui se chargera de tout nettoyer. Il y avait d'énormes araignées aussi. Oh, mon invocateur, je l'ai perdu. Tu l'as laissé sous la tente. Mais non, je l'avais avec moi à la pyramide, tu t'en souviens pas? Ça veut dire qu'il est probablement tombé quand tu... Est devenu hystérique. L'équipe le retrouvera sûrement. Oh, avant que j'oublie, voici quelque chose que j'ai trouvé pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du verre. Oui, mais c'est de la résine fossilisée d'un arbre. Il paraît qu'elle a des vertus. Ça s'appelle de l'ambre. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, il y a une petite bestiole. Oui, c'est un insecte, un scarabée. Il a été emprisonné dans l'ambre, il y a 4000 ans. Oh ben, tu parles d'un cadeau, un insecte mort. Mais je trouve ça cool, moi. Tu sais, les scarabées étaient très importants dans l'Égypte antique. Ils croyaient fermement qu'avoir un scarabée leur permettrait de vivre pour toujours. Il a 4000 ans, c'est vrai? Hein? Oui, c'est vrai. Toc, toc, toc. Professeur Assad, je suis si heureuse de vous voir. Je vous prie de m'excuser, je vous connais. Nila Ramad, reporter pour un journal du Caire. Alors, je croyais qu'on disait plutôt journaliste de nos jours. Eh bien, je suis tout à fait démodée, je dois vous l'avouer. Mon journal vient d'apprendre que vous avez découvert la tombe du prince Oro. J'ignore qui a pu le leur dire et je ne suis pas sûr d'avoir découvert sa tombe. C'est encore mieux. Je voudrais l'exclusivité. Je voudrais venir avec vous et écrire un papier sur la découverte depuis le début. Mais dans ce cas, commencez avec mon neveu Gabe. C'est lui qui a découvert l'entrée du tombeau. Et jusqu'à maintenant, il est le seul à l'avoir vu. Êtes-vous archéologue, vous aussi? Non, il est juste maladroit. Il a fait une chute et l'a trouvé. Un bon nombre de découvertes très importantes ont été faites par accident. C'est étrange. Nous sommes jumeaux. Oh, voilà qui est très rare. Le vôtre est vide. Il est beaucoup plus joli sans l'insecte mort. Le scarabée est censé porter bonheur. J'espère que mon pendentif ne porte pas malheur. Tenez, regardez la photo que j'ai prise. Oui, c'est le sceau du prince Oro. Madame. Où dois-je poser ça? Posez-les là-bas. Cette photo... Madame, ne me dites pas que vous... Vous allez... n'avez rien à craindre, Joffé. Il ne faut pas rentrer dans la tombe, sinon quelqu'un mourra à les maudits. Ça suffit. Mais c'est la vérité, je regrette. Je ne peux pas rester. Mais de quoi parlait-il? Laissez-moi reposer en paix. Oh, mais vous savez lire ces trucs? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un avertissement pour effrayer les pilleurs de tombes. Il arrive parfois que les tombes contiennent de véritables trésors. Et un certain nombre de superstitieux affirment qu'une malédiction frappera celui qui entrera. Des gens dans ton style, Gabe. Il paraît que nombreux sont ceux qui ont essayé de piller cette tombe. Mais que s'est-il passé? Jamais ils ne sont revenus. La légende prétend que si on répète les mots sacrés 3 fois, Kharu, Khara, Khari, la momie sera tirée de son profond sommeil pour chercher vengeance. Mais évidemment, ce n'est qu'une superstition, n'est-ce pas? Et dire qu'un garçon qui vient d'Amérique va être le premier à entrer et à voir la momie. Oh oui. Ah, secours, des araignées, des araignées! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as les nerfs à vif? Oui, bien sûr que j'ai les nerfs à vif, après ce qu'a dit le chauffeur. Et s'il avait raison, et si la malédiction existait? Ça y est, tout le monde est prêt?
On est sur le point d'entrer dans une salle que personne n'a vue depuis 4000 ans. Autre façon de décourager les pilleurs de tombes. C'est une fausse tombe. Apparemment, ce qu'il faut faire, c'est dire les trois mots sacrés et laisser le prince venir jusqu'à nous. Rarou, rara, rari. Tu as tort de faire ça. Oh, ça, c'est la meilleure. T'as peur que la momie revienne soudain réellement à la vie? Eh bien non, mais... Comme... Dans ce cas, dis-le. Rarou, rara, rari. S'en avait. Rarou, rara, rari. C'est bon? Tu es contente maintenant? Peut-être que Oro nous écoutait. Je penserais plutôt que des fissures dans le mur laissent entrer le vent. Gabe, t'as vu ça? Oh, mon avocateur! Et comment est-il arrivé ici? Ah, il ne veut plus me lâcher! Ah, au secours! Oncle Ben! Aide-moi! Dépêche-toi! Aide-moi, je t'en prie! Arrête un peu ton cinéma, Gabe! Non, aide-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Le mur vient de pivoter. Au secours! Faites-nous sortir d'ici! Au secours! Ah, les pierres sont parfaitement ajustées! Papa, fais-nous sortir! C'est pas vrai, il y a forcément un moyen! Papa! Ben? Ben? Vous m'entendez? Ben? Au secours! Fais-nous sortir d'ici! Ces murs sont trop épais, ils ne peuvent pas nous entendre, c'est sûr! Jamais on n'arrivera à sortir d'ici! Il faut qu'on essaie quand même! Allez, viens, on va essayer par là-bas! Attention. Oh. Oh là là là. On l'a trouvé. Oh. On a trouvé la tombe du prince. Oh, génial. On sera les squelettes les plus riches de la Terre. Gabe, regarde. Je vais l'ouvrir. Mais, et l'avertissement, tu y penses? Si tu ne veux pas être le premier à le voir, tant pis. Je ne voudrais surtout pas être le dernier. Tu te décides, tu m'aides ou non? Oh. Allez, on pousse de toutes nos forces. On y va. Il n'y a personne. Qu'est-ce que c'était? Je crois que j'ai aucune envie de le savoir. Gabe, dis-moi que j'hallucine. Allez, viens. Viens vers moi. Mila, viens vers moi, mon frère. Je suis la princesse Mila. Ta sœur.
suis-moi. Le grand jour est enfin arrivé. J'ai patiemment attendu que nous soyons réunis. Hé, hey, mais c'est mon invocateur! Silence, vous autres! L'invocateur est à moi. Et maintenant, nous allons de nouveau régner. Elle est folle, Ali! Élimine-les, mon frère. Nous n'avons pas besoin de témoins. Oro, tu n'as pas oublié. Tu étais faible. Moi, j'étais forte. C'était moi qui régnais. Tu ne l'as pas oublié, Oro. J'espère que tu ne l'as pas oublié, mon frère. Je n'ai pas oublié. Ma vie. Ma vie. J'ai passé toutes mes nuits dans cette tombe depuis 4000 ans. Et maintenant, jamais je ne... Est-ce qu'elle est morte? Non, je crois que non. Reste ici. Non, arrêtez. Attendez. Oro, Ara, où ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui est arrivé? Debout, dépêche-toi, on s'en va! Surtout pas ça. Bah, tu n'as qu'à le garder, comme ça tu ne m'oublieras pas. En Égypte, on dit que quand on te fait un cadeau, tu ne peux jamais t'en débarrasser. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne sais pas l'ordre. Alors, que dois-je dire aux journalistes qui sont dehors? La vérité? Bien sûr. Dis-leur que la momie a marché... Et que sa sœur de 4000 ans est un scarabée. Dis-leur aussi qu'ils ont failli être réunis et régner de nouveau sur l'Égypte. Vous avez raison, rien que la vérité. C'est trop bête que tu t'en ailles. Je voudrais rester, mais j'ai envie de retourner dans un pays où les morts restent sagement à leur place. Mais l'an prochain, tu devrais venir en vacances chez moi. Je te ferai voir l'exotisme qui règne dans les centres commerciaux. Waouh! En tout cas, une chose est sûre. Quand je serai à l'aéroport, je ne vais pas acheter un nouvel invocateur. Tu veux un petit coup de main? Non, merci, ça va comme ça.